Et bonsoir tout le monde. Nouvelle vidéo de montée en ladder avec un paladin aggro. Donc la dernière fois j'avais gagné une étoile par rapport à mon début en faisant un 2-1. Je suis toujours rang 17, c'est toujours mou. J'étais tombé contre un prêtre un peu bizarre qui avait pas joué grand chose et qui avait été obligé de slam un Ragnarok pour 8 au tour 8 en espérant que ça marche. Ça avait pas trop marché. Alors, on est toujours le même soir, donc je vais peut-être tomber contre des gens que j'ai déjà combattus. Après, ça m'étonnerait quand même. Narkov, ça me dit rien. J'ai pas vérifié sur les autres vidéos. Un voleur, donc comme d'habitude, si... Oh là là, là j'ai pas une belle main. Là, j'ai pas une belle main. Un voleur miracle. Je peux potentiellement aller plus vite que lui. J'aime pas ce play, mais je suis presque obligé. Parce que s'il me pièce des fias, je serais bien content d'avoir fait ça. Puis si je mets une caisse, j'ai rattrapé les 2 points de vie. Enfin, les 2 points de dégâts que j'aurais mis avec si j'avais joué sur l'amasseur. Mais j'ai pas une main qui me permette de. Enfin, faire tour de ça. Puis c'est tout. Enfin, tour 3, ça, et puis un token, quoi. Là, il dit go, donc ça se goupille pas trop mal pour moi. Ah, il peut pièce, éventail de couteau, ça me met pas bien. J'ai mal droit en plus. Ah, les vidéos veulent pas bien s'engager, hein. Tiens, prends ça pour ta tête. Bon, j'ai touché un truc. Ça fait clan que j'ai dû toucher un poulet. Bon, il aura quand même mis 4 dégâts. Ah oui, je touche l'égalité, quoi. Affreux. Affreux, ça c'est le genre de sortie que vous voulez jamais voir sur le paquet. J'ai pas de tempo, j'ai que dalle. L'autre, il est en train d'accumuler 8 cartes. C'est probablement un miracle s'il joue comme ça plus lentement. Il peut tellement me faire des sorties horribles. Il va peut-être juste remettre son arme, hein. Courroux vengeur! Mais lol, quoi. Lol! J'ai presque envie d'aller lui mettre un point. C'est nul, mais je... Il remet sa dague parce qu'il n'est pas pressé, hein. Il a raison. Il a tout à fait raison. Comment sortir à l'envers? Ah, mais c'est d'un ridicule consommé. Je vais continuer de taper parce que. Lol, quoi. Voilà, puis là, il va partir en méga combo. Bon, mon avantage et mon seul unique avantage, c'est qu'il a pas pu comboter ce tour-ci. Et que ça, normalement, ça devrait clean. Ouais, c'est bon. Le problème, c'est qu'il va recommencer, quoi. Tour suivant, il recommence. Les meilleures affaires, c'est ici.
Sauf que je peux aller lui le tuer. La lumière nous protège. Et ça, ça me va bien parce que finalement, il sort aussi comme une bille. C'est pas de sa faute, mais là, il est sorti comme une bille. Il aurait jamais dû me remettre l'autre. Il a probablement de quoi jouer dans sa main. Je comprends pas comment il fait. J'aurais jamais dû être aussi bien mis dans cette game que je suis actuellement. Ah, parce qu'il joue... D'accord, il joue sur un aventurier en pleine quête pour son combo. Bon, là, c'est pas si mal que ça, hein. Ensuite, il va backstab, probablement. Voilà. Parce qu'il gonfle encore son machin. Ce qui peut faire encore quelque chose. Ce serait bien pour lui, hein. Il confère camouflage à tous les serviteurs. Je vais mettre un secret. Je vais faire... Quoi? Je vais taper dans ses points de vie. Je vais poser une bestiole. Et je vais remettre ça. Tip, 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 tip. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, là? Est-ce que Miracle Rogue... Version aventurier en pleine quête peut mettre 28 points de dégâts dans le tour. Sachant que s'il met 28 points de dégâts dans le tour, il se les reprend dans la tronche. Ce qui ferait un draw d'ailleurs. Enfin, comme la dernière fois, je vais probablement la paumer. Une préparation. Une éviscération. D'ailleurs, il va se reprendre 4. Est-ce qu'il peut win? Une autre préparation. Un crif. Je dois encore mettre 13. Ça c'est sur moi. Non, c'est sur mon serviteur, donc ça c'est bon. Ah, il s'est burné lui-même avec 3 points de dégâts. Il arrive à me mettre à 1, quoi. Ah non, il me tue. Il me tue, il a pas bourré. Pourquoi il a pas bourré? Il l'avait. Il l'avait. Il me tuait. Il avait pas bourré avec son arme. Ou bien... Ce qui m'a bourré au tout début avec son arme, peut-être. C'est ça qui s'est repris dans la tronche? C'est quoi qui s'est repris dans la tronche? Vous regarderez la vidéo, vous me direz. Bon, en tout cas, c'était... poil de cul, hein. Ouais, il avait un Miracle Rogue à l'ancienne. C'est pour ça qu'il jouait comme ça et qu'il posait rien du tout. Parce qu'il devait comboter sur son aventurier en pleine quête, en fait. Pour pouvoir passer. Bon, bah ça s'est pas trop mal mis pour moi. Je suis donc aventurier en pleine quête, du coup, vu qu'on en parlait, 2 étoiles. Et là, pour faire bonne figure, je vais probablement en perdre une, parce que de toute façon, j'ai pas réussi à faire plus d'une fois une série avec vous en vidéo, donc... Mais je suis curieux, il faudra... Je re-regarderai moi-même la vidéo pour voir s'il pouvait pas me bourrer avec son épée, sa dague. Alors, un chasseur, le dernier, ça s'était mal mis, à un point de vie près. Je combattrai avec honneur. Non, il m'avait mis les points avec son... Eviscerate. Il avait cette game. Il l'a pas vu, mais il l'avait. Il avait cette game. Il pouvait me bourrer. Il avait cette game. C'est hallucinant, hein, mais il l'avait. J'ai pas compris. Il y a peut-être un truc qui m'a échappé, mais il m'a mis 4 points au début avec un Eviscerate.
Est-ce que je go pour lui mettre une méga caisse de l'espace? Allez, go pour lui mettre une méga caisse de l'espace. Pour deux, même sur la pièce, il peut pas. Je pense pas qu'il peut me la gérer. Voilà. Il est obligé de me mettre deux. Je vais juste espérer que ma 3-2 restera sur le board un tour de plus. Il est déjà obligé de lâcher les chiens. Il va vouloir clean comme ça. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, il a ça. Bon, on est content de te voir, toi. Pour l'instant, la hyène m'inquiète pas plus que ça. Je suis quand même obligé d'aller chercher le buzzard. Même si la hyène va gonfler, j'ai un commande en argent au tour d'après. C'est con, mais j'ai envie de me la prendre. Pour le Nord-Fondre, la victoire ou la mort. L'obliger à réagir un petit peu là. Détruire un serviteur. Vas-y quoi, plus de stuff. Il est pas du tout aggro en fait, le bonhomme, contrairement aux apparences. Il est même extrêmement contrôle. Là, s'il met lâcher les chiens, c'est gentiment fini, quoi. Chouette bec de fer, sans buzzard. Certes. Bon, 14-18, c'est. Bah tiens, ça fait un peu la première guerre mondiale là. C'est Verdun sur Hearthstone, messieurs, dames. Rien ne va plus. Je suis pas hyper enthousiaste de cette game. Un rhino, ça c'est encore moins cool. Ah, j'aurais dû aller le taper dedans d'abord.
Il y en a combien de ces tirs des arcanes? Et une ruée de Kodo encore? Cette game ne veut strictement rien dire. Et si je la win, je serais heureux parce que là, j'ai pas de stuff quoi. J'ai rien qui sort. Ça, lâcher les chiens. Là, loup alpha redoutable. C'est une flèche multiple, mais combien est-ce qu'il a eu de milliards de burns dans cette game, ce mec? Il joue que des burns. Et la faveur divine qui me donne une carte, quoi. Et je peux pas clean. Ah mais il termine en plus. Bien joué. Qu'est-ce que tu fais? T'es con, bien. T'as de la chance que j'ai rien. Si tu l'avais paumé sur celle-là... Bon, le chasseur, c'est pas mon meilleur pote. J'ai envie de vous dire. Bon, allez, on va faire une petite dernière. Encore pour cette vidéo, même si ouais, elle a déjà un peu plus duré que d'habitude parce que les games ont été longues. La première, surtout. Maintenant, je les mélange. Mais ouais, pas convaincu là. Le chasseur, trop de burn quoi. Je jouais que ça. Je fais des burns et... Des burns. Moitié de son deck, ça doit être des burns, quoi. Il m'a sorti quoi? Il m'a sorti le tir explosif, il m'a sorti le truc qui pèse une bête aléatoire. Il m'a sorti 3 à 2, il m'a sorti deux fois le 2 à 1. J'ai une sortie dragon féerique, pourquoi pas. Bon allez vas-y, mets la tarin de merde. Ah, un gnome lépreux. Je vais quand même faire ça. Un guerrier bronchi, c'est un murloc. Il vient sur moi. Est-ce que je peux me permettre contre ce genre de paquet de pas clean? On va prendre le risque. Pour 3. Une minuscule invocatrice. Et un gnome lépreux. Je peux avoir mon clean?
J'ai absolument aucune idée de savoir si je joue juste ou pas. Hein. Je suis en train d'expérimenter une tech. Nom de Dieu, je veux mon clean. Donnez-moi de quoi raser le board. Au rapport. Non, pas ça. On s'en fout de ça. Laissez-moi réfléchir. Pour la justice. Mon royaume pour mon clean board, quoi. C'est parce que j'ai pas cassé la zone. C'est pas comme si je jouais des bons murlocs en plus, ils jouent vraiment que de la daube, mais. Mais c'est en train de me défoncer parce que j'ai juste pas assez. Non, mais ça suffit pas ça. C'est hallucinant. Bon bah elle est loose. Je suis pas sûr que si j'avais clean quoi que ce soit, ça aurait changé un tout petit peu à cette game. Ouais non attendez, on va s'arrêter là. Elle est déjà un peu longue, je l'ai un peu trop en travers de la gorge cette dernière game là. C'est genre le paquet consécration, le type il remballait son paquet et retournait jouer dans la cour de récré, mais bon tant pis. Ce sont des choses qui arrivent, on n'a pas top decké consécration, on avait 3 ou 4 cartes inutiles contre lui dans le main, hein. Bon bah. Voilà voilà, ce sont des choses qui arrivent, donc j'espère que ça vous aura plu quand même. J'aurais peut-être du clean, hein, j'en sais rien, je crois pas que ça change grand chose. On se retrouve la prochaine fois. Portez-vous bien, ciao bye.